Moins de place pour les voitures, des pistes cyclables et plus d'espace vert. Voilà comment la métropole lyonnaise lutte contre les fortes chaleurs. On a largement développé les bandes plantées de manière très large, avec des strates de différentes hauteurs pour faire en sorte que l'ambiance soit beaucoup plus agréable et contribue à donner un îlot de fraîcheur, un corridor de fraîcheur. Le but, limiter les îlots de chaleur. Ce phénomène se manifeste par une température plus élevée dans les centres urbains que dans les zones rurales ou périurbaines. En cause, un manque d'eau et de nature au sein des projets d'aménagement. Autre moyen mis en œuvre, éclaircir la voie publique. La rénovation des revêtements limite l'accumulation de chaleur due au bitume et aux zones sombres. Les cyclistes savourent ces espaces de fraîcheur. Rouler à l'ombre, c'est top parce que du coup, il y a des arbres au-dessus et on est moins sujet au soleil. Quand on est en plein cagnard sur une route où il n'y a pas d'arbres au-dessus, c'est sûr que les conditions pour rouler, elles sont vraiment différentes et c'est beaucoup plus difficile. C'est quand même plus agréable, on a l'impression un peu moins de transpirer, de courir un peu dans tous les sens. La mairie souhaite généraliser cette végétalisation sur l'ensemble de la ville, notamment sur les 250 km de voies cyclables prévues pour 2026.